RTCI nous réunit. Aucune décision n'a été prise hier. On a discuté de toutes les possibilités et bien sûr, on a pris la décision de reporter les travaux pour samedi prochain. Disons, il y a le secrétaire général de l'UGTT qui intervient et qui a des négociations à faire avec le chef de gouvernement. De deux, on voulait discuter avec nos collègues, les militants dans toutes les régions, de ces nouvelles apportées par le secrétaire général et de discuter ensemble que faire samedi prochain. Donc, ce sont des négociations que fait le secrétaire général de l'UGTT avec le chef de gouvernement, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien d'officiel. Le ministre de l'Éducation a pris une mauvaise décision hier concernant les directeurs de l'établissement. On a jugé que c'est injuste. Le secrétaire général de l'UGTT, il est intervenu auprès du chef de gouvernement et le chef de gouvernement, il a promis d'annuler la décision du ministre de l'Éducation hier, puisque c'est une décision qui touche au droit syndical des directeurs.